Mais par contre, dans les nouveaux métros, maintenant, on n'est plus tellement dans le métro. Ah, ça, c'est une petite incohérence quand même. Un peu comme Prison Break où ils ont fait la suite et du coup, c'était plus en prison. Ouais, sans vouloir critiquer le jeu, hein, pas du tout. Non. Mais bon. Ça, je dirais d'avoir des cohérences, peut-être des fois, non. Il faut l'appeler Tracteur. Voilà. On va faire le jeu en Tracteur. Tracteur 2033. Tracteur Exodus, l'histoire de Sam. On va lancer Métro. Un jeu où on doit faire les lignes de Paris et essayer de créer le moins de bouchons possible entre les différentes trames de métro. Exactement, c'est un simulateur de métro. Et merci à Epic Games d'avoir sponsorisé la vidéo. Si vous voulez télécharger le jeu, vous cliquez sur le lien dans la description. Vous le téléchargez sur PC, sur l'Epic Game Store avec le code créateur WONKILL. WONKILL. Quand je dis code créateur, vous dites WONKILL. C'est bien. Oh pardon. Ouais, il était beau. On va pas passer, on va écouter. Ouais, pareil. On va écouter là. On va se mettre bien. Neige, poussière ou autre? Déjà des mystères. Non, c'est de la neige. Neige, c'est bien. Mais de la non. Neige, Link. Mais les gens ont eu très froid. Je pense qu'il y a eu un méchant hiver. Au moins 20 cm de neige à prévoir. Hein. Moi, ce que j'ai vu de Sam Story, c'est un Américain qui est en Russie et qui veut juste retourner chez lui. C'est tout ce que j'ai compris. C'est tout? Ok, ça me va. Déterminé à découvrir si ses proches sont toujours en vie dans son pays natal, l'Amérique. Les États-Unis. Sam fait ses adieux à l'Aurora et à son équipage et suit les voies ferrées vers l'est dans l'espoir de trouver le Pacifique. Depuis le port de Vladivostok, la dernière étape de son périple va cependant s'avérer plus délicate que prévu. Mon dieu, mais que va-t-il se passer? Ça va être plus délicat que prévu. T'as joué à Metro avant ou pas? Celui d'avant. Bien sûr. Et donc tu... Ah, pas le précédent. Ouais, du coup tu sais pas trop qui est Sam. Si, c'est un Américain qui cherche à retrouver Aurora et qui vient retourner chez lui. Ah d'accord, pardon. Bah fallait y jouer. Ouais, non mais my bad. Hein. C'est parti. Ah, on a déjà une arme, tout le bazar, on a déjà c'est parfait. Équipé. On a tout ce qu'il faut. Privet Vladivostok. Par contre, on va parler en français ici. C'est un shooter, hein. Ouais. On est pas sur un truc. J'ai pas les touches, mais savoir, je suppose que je vais faire clic droit et clic gauche et c'est tout. Oh, j'ai de l'endurance. Oh non. Ah ouais, à l'endurance dans les jeux vidéo, surtout quand c'est des monstres, ça pêche. Tu sens comment je me suis arrêté? Ah ouais, s'il y a des monstres qui nous coursent, je vais me chier dessus. Allô? Allez, bandit, il y a marqué bandit. Ah, bon. Ça sent pas bon. Ok, tu peux les tuer. Vas-y. Oh, cette exécution sommaire. C'était net et précis. Arrête, il a toi. Capitaine, je les ai eus. Ça veut dire quoi? Attends, je regarde quand même. C'est que je peux remplacer. D'accord, elle avait l'air vraiment bien quand même. En plus, t'as un chargeur tambour. Ouais, je connais un peu les termes techniques, ouais. Ouais, dis donc, toi, t'as l'air d'avoir vachement joué au jeu quand même. Hein. Au jeu? Non, je connais les armes. Psychopathe. Ok, capitaine. Baisse ton arme. Bon, capitaine, on est amis. Détendez-vous. Baisse ton arme, tout de suite. D'accord. Je cherche un navire qui peut me ramener chez moi. Vous en connaissez les biens? Bah oui, regarde sa casquette. Navire ici, et c'est une petite merveille. Viens, je vais te montrer. Pas plus vite quand même, parce bah, que bah putain, capitaine Haddock là, avec sa jambe de bois. Je vais te montrer. Voilà. C'est là-bas, au bout de la ville, là-bas. On devrait y être avant la fin de la nuit. Enfin, doucement, attention aux chutes. Hein. Accroche-toi, ça glisse. C'est le sous-marin, là. Je vois plusieurs bateaux, capitaine. Okay. Il y a un sous-marin vénère, mais c'est pas ça, quand même. Ah oui, c'est énorme. Ça. Ouf. Non, à gauche. Attends, tu me parles d'où, là? De ici ah jusqu'à gauche. Oh putain, je croyais que ça faisait partie de la ville, j'avais pas vu ça là. Oui, d'accord, non mais oui. Non mais moi je cherchais un petit sous-marin en mode comme un petit truc comme ça, tu vois. Attends, c'est marrant parce que tu voyais le petit bateau, tu sais. Oh la vache, waouh. Putain, j'étais là genre, waouh, capitaine, vous nous gâtez. Alors qu'il était tout petit. Et en fait, il est énorme. Oh bah dis donc, capitaine Haddock là. Capitaine, rendez-moi mes FPS. Oh les putain de merde. Oh la vache. Ah non, c'est pas des oiseaux. Eh mais... Oui, tu peux tirer. Je tire. Non mais écoute, faut tuer... Tu la... Voilà, salope. Oh, ça du monde. Casse-toi. Oh, attends, il a fait un truc qu'il avait jamais fait, ça. Oh, vas-y. Oh là. Non mais là, on est presque mort en fait. On fait la paix? Fait une trêve? Bah ouais, j'ai plus mon arme. T'es sérieusement niqué au niveau de l'arme là? Je peux pas retourner en arrière là, je vais me battre à la main. Ah ouais, bon bah. Oh. Maintenant tu viens avec nous. Il s'est servi du bâton pour lui casser le bras. Mets lui son taser dans la bouche. Toi t'es en contre trop fort. Moi j'ai des idées un peu.
Non, non, pas tout ça pour rien. Please. Pas ça, pas ça. Pas ça. Là, il commence à s'énerver un peu. Ouais. Bah, on s'est bien battu, mais bon, s'il m'avait donné les commandes, je pense que j'aurais pu me sortir de là. Mais le sous-marin alors. Mais le sous-marin et le capitaine et les États-Unis. Les États-Unis. Bon, on y va. Ah bah le voilà. Bon, j'avoue, en venant à pied, j'aurais eu un peu de mal à arriver jusqu'ici, mais bon. Mais tout le monde est sympa ici. Ouais, on s'est battu comme ça pour rigoler, mais on va être potes, je crois. Mais il est trop bizarre, il s'est fait exploser la gueule et. Tu peux acheter un billet ? Acheter un billet ? Elle est bonne ! Ça se voit, il riait pas une seule seconde. Ouais, tu sais, il a pas souri du tout. Elle est bonne ! Ah, elle est bonne ! Tu veux bien me rappeler, c'est quoi le nom de votre équipe de baseball ? Mais c'est trop d'être pote avec moi en disant n'importe quoi qui a un rapport avec les Américains. Ah ah, et les burgers, la sauce fromagère là. Super, les burgers ! Eh ben, manger des burgers. Eh, on a aussi mangé des burgers. Tout le monde est américain ici. Non. Gros bâtard. Ah, c'est pas pour nous. Bon, prêt à m'écouter ? Bah, je suis un peu dans le regret là. Lui, c'est chier. Il l'a raconté 30 fois. Avec les mêmes mots. Je sais pas pourquoi, mais ils ont pas une gueule à vouloir sauver la civilisation. Ouais, moi je vais sauver la civilisation. Ça marche. Ça me semble honnête. Hein. Et comment il est tellement malhonnête. Ouais. Évidemment, je vais nous tellement nous retourner la tête là. Bon, en gros, c'est des putains de malhonnêtes. Ils m'aiment pas. Bah, ils vont t'enculer en fait. Ils se servent de toi. Ouais, pour avoir le capitaine. Vous avez entendu ça? Non, mais c'est scandaleux. Attends, t'as vu qu'il y avait un truc en haut? Là, il y a un truc là. On va passer. On va passer. On va passer. Ah. On va quand même aller lui demander s'il va bien, peut-être. Alors là, t'as pas une arme contondante? Corps à corps. Ils m'ont pas dit corps à corps, hein. Salaud. Corps à corps, V. V, ça vaut le coup d'essayer. Là, quand tu fais V, ça fait quoi? Patate de foie! Dans la nuque. Un bon coup sec. Oh, il a fait une galipette! Pourquoi ça me fait mal quand je lui mets du corps à corps? Hello. Bon, ok, ça marche. Bonjour à tous. Okay, alors, c'était pas bon, prévu, je t'ai vu, toi. Hein. C'est une vieille gargouille, elle me stresse. Je t'ai vu, hein. Je t'ai vu, hein. Oh non, il m'a vu, je non. Ah, oh, je cours. Ouais, j'arrive. Oh, oh non. Ah bah non. Ah, comment faire? Il est derrière. C'est le zoo de Beauval. Parle à qui? Je veux être très discret. Oh, je le tue. Quand il parlait à qui? Petit pistolet silencieux. Oh. Splinter Cell, oh, ça, c'est parti. Quand est-ce que vous sortez un Splinter Cell? Chut, tu peux porter ma mère. Si tu le dis, ils le sortiront jamais. Ah, c'est donc ça les mines. Ah, ça me sera sacrément utile. Ah bon? Wow, une mélodie. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Prends une guitare et... bah, vas-y. Allez, c'est parti. Ouais, arrête de faire de la musique. Vois sur ton chemin. Ah, s'il te plaît. S'il te plaît, fais exactement ça. Ça durerait à peu près 4 minutes. Ce serait en single sur Spotify. Tu vas devenir riche. Oh. Non, ce n'est pas Assassin's Creed. Mais merde, quand ils sortent de nulle part, putain, c'est de la triche. Wow. Ah bah je vais dormir moi. Voilà. Gouge. Gouja, dis donc. Gouja. Toujours très très poli quoi. Ouais. Non, récupère la hache. Récupère la hache. Lâche. Avant qu'il tombe. Connard. Con de merde. Encore toi. Vous êtes bourré, capitaine? Je sais pas, je vais voir votre taux d'alcoolémie. Oh, vous avez toujours cette vitesse légendaire, capitaine. Oh la vache. Il a la chiasse ou quoi? Où sont les chiottes là? On dirait Bigard. Bon, on n'est pas pressé, hein, l'antenne coupe à minuit, hein, capitaine, y'a aucun problème. On va mettre un coup de pied là-dedans, puis après on va pouvoir passer. Allez, capitaine! Allez, allez, on fout ce coup de pied. Levez votre jambe. Allez, allez, on le pousse. Oui, cette commode là. C'est bien, capitaine. C'est très bien, capitaine. Voilà. Cet alcoolique de merde, là. Mec, tu sais, il tire une chaise. C'est son bateau, ce machin, là. C'est votre appartement ou votre bateau? Bon, démarrez votre merde. Ouais, plus vite que ça, on a pas que ça à foutre, oh, hein. On est boiteux, là. On fait des vidéos, nous, monsieur. Faut y aller, là. Hein. Allez, on active le contenu, voilà, là. C'est mon rafio. Eh, je suis pas peu fier de ce rafio, vous voulez savoir son histoire? Les ogives sont. Il va aussi vite que lui, son bateau! Vous auriez pas un boost ou de la nitro? Je vais tuner son moteur, oh, à ce connard! Débride son moteur? Non, la pharmacie là-bas. Quoi, est-ce que tu vois une pharmacie, toi? Putain, au centre de ma vue. Ah oui, d'accord, la croix, mais. Ah oui. Moi, je m'occupe comme je peux, hein. Sniper, baissez-vous!
Non, c'est pas un oiseau. Ah bah tu vois qu'il a un boost ce con, il a mis les gaz. Alors connard. Putain, 23h58. Dépêche-toi, tu as 2 minutes pour trouver ce sniper. Eh oui, il est là, mais ouvrez-moi. Il est 23h59. Le jeu est disponible sur l'Epic Game Store et vous pouvez utiliser le code CRATAWANKILL pour connaître la suite. Si vous êtes les derniers, on ne cut pas. Pas grave, utilisez quand même le code CRATA. Il me reste 30 secondes. Ah non, il est fou. Vite. Dépêche-toi, tu as très peu de temps. Une échelle, j'y vais. Faut que je trouve ce sniper avant minuit. Il est là. Vous êtes à l'arrestation. Ah. Non. Merde. Monsieur, aidez-moi, est-ce que quelques secondes pour trouver sa tête? C'est la fin de la vidéo, il faut mourir là. Allez. Ferme ta gueule là. Voilà. Allez, pouce bleu, on remballe, dites ta mère. Je suis ta secrétaire, c'est moi qui décide de ce qu'on va faire. Vas-y. On va lui mettre une grenade dans le cul. Pas sympa la secrétaire. Non, pas sympa la secrétaire, putain. Et hop, à l'américaine. Yes, we can. George McCain, like my girlfriend. C'est Nick Flo et Oli, tu connais pas? Non, pas celle-là. Non. Ça a de leur meilleur couplet. Oh non, la vidéo est terminée, cette porte est fermée. Non. Oh, pff, oh non, ça c'est... Les cadets de certaines pop pourraient être cassés. Oh non, ça marche pas. Oh non. Ça a marché.